Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 85 de Oblivion. Il est 8h50, on est toujours le 9 février 2014. Et donc là, ouais, je Je pense. sais à quelle fin la gemme spirituelle est destinée. Elle est destinée à recueillir mon âme, qui sera ensuite absorbée par Manimarco et décuplera son pouvoir. Vous avez été envoyé pour vous emparer de la gemme, afin que Manimarco ne puisse pas mettre la main dessus. S'il l'avait eue, il serait venu tout droit à l'université pour me voir. Il aurait été pratiquement impossible de l'arrêter. Mais maintenant, je crois que nous avons une chance de l'écraser. Lorsque vous serez prêt, j'aimerais vous charger d'une dernière mission. Ce sera indubitablement le service le plus important que vous rendrez à la guilde. Alors cette dernière mission, voilà, c'est la toute dernière, c'est bon ça. Êtes-vous vraiment prêt pour cette tâche? Je ne suis pas certain de ce qui vous attend, mais je suis sûr que nous ne nous reparlerons plus une fois que vous aurez commencé. Alors, on va péter le roi des verges, je suppose, donc Mini Marco. Alors Mani écoutez-moi, Marco. et écoutez-moi bien. Très bien, Manimarco animal. trouvera ce qu'il cherche, mais il connaîtra sa fin entre vos mains. Avec cette gemme en votre possession, vous serez insensible à ses tentatives d'ensorcellement. C'est lorsqu'il échouera que vous frapperez. Ok. Lorsque nous aurons fini notre discussion, vous prendrez cette gemme. Puis, vous partirez à la recherche de Manimarco et vous le détruirez. Ouais. Trouvez-le par tous les moyens. C'est notre seul espoir de l'écraser. Tamba. J'ai foi en vous. C'est pourquoi je vous confie la guilde. Lorsque j'aurai disparu, vous serez reconnu comme étant l'archimage et le dirigeant de la guilde. Oui. Dirigez vos frères et menez-les sur la bonne voie. Ça marche. L'avenir repose sur vos épaules. Au revoir. Et toi, tu deviens quoi du coup? On sait pas? Ah bah si, on sait. Bâton d'éclair. Clé de l'archimage. Plaine. Je te prends un peu d'or. Robe d'archimage. Allez, je prends. T'es un peu à poil, je suis désolé. Il faut que je me serve. Robe d'archimage, c'est pour le principe. Bon, eh bien, c'est parti. On est parti pour cette dernière quête de Brutas. Allez, Hannibal Trahan m'a promu archimage et m'a chargé d'arrêter le roi des vers. Il faut que j'apporte la gemme spirituelle noire à la grotte de l'écho et que je l'affronte. Quoi, je suis encore malade et tout? Maître mage, mais non, je suis archimage. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Fortification, pourquoi je... Fortification, résistance au froid, voilà, c'est bon. Je vais y arriver, décidément. La grotte de l'écho. Oh non, c'est en hauteur. Putain, bon bah garde-pomme, on va y grimper. Alors j'aurais eu un cheval, ça aurait été évidemment plus facile, puisque les chevaux peuvent marcher la tête en bas. Ouais, c'est bourrin les chevaux, mais... Mais bon, on va y aller, on a fait tout le trajet à pied. En plus, on a augmenté l'athlétisme, etc. On est des brutes là. Alors, le nord est là. C'est joli. Franchement, c'est magnifique. Alors là, derrière ces montagnes-là, vous avez Skyrim. Le monde de Skyrim. Là, on est en Cyrodiil, donc Tanrel. C'est parfait. Oh, pas envie de combattre. Je suis désolé, mais j'ai pas envie. Oui, salut. Oui, j'arrive là-haut. Comment je vais arriver? Ah, on peut grimper un peu là. Ah non, ça passe là. Je suis à côté. Eh ben, je suis là. C'est cool. Je vais m'embêter. Je vais pas me suivre. Donc Mani Marco est là-dedans. Oh là. Bonjour. Oseriez-vous vous approcher du roi des vers? Oui? Si vous voulez obtenir une audience auprès de Sa Majesté, vous devez ouvrir cette porte. J'en détiens la clé, et je la défendrai jusqu'à la mort. Très bien.
Eh ben, on opte pour la mort. Bon bah je vais prendre la clé, merci. Bah impossible aussi. Tout est possible avec la clé. Avec la carte Kiwi. Putain la pub, c'est vrai. Je suis arrivé à la grotte de l'écho et j'ai réussi à accéder au repère de Moni Marco. Il faut que je l'ouvre et que je l'élimine. Alors, à quoi ressemble cette grotte déjà? Il est... Putain, c'est loin. Ah d'accord, je les laisse. Bon, je vais juste prendre les potions, je prends plus les rouleaux. C'est chiant. Ah, d'accord. Bon, bâton de... Le grand bâton de feu est cramé, donc je vais prendre le bâton que j'ai pris à l'archimage. Comment? Et là, c'est de l'attaque furtive, hein. Personne ne me calcule. Atténuation. Je vais prendre au cas où. Enfin, pas au cas où, mais. Pas au cas où. C'est marrant. Pire, c'est que c'est comme ça qu'on dit, mais bon, c'est marrant. Je vais commencer une phrase et je me l'ai oublié. Hein. Ah merde. Ah merde. Oui. Regain fatigue, je m'en fous moi. Quasiment increvable. Guérison, j'aime. Oh oui, un couteau. Ok, toi, je t'ai pas fouillé, hein. Oh la vache. Je deviens tellement puissant là. Je me sers quasiment plus des potions. On en est où? Voilà, on croit loin. Ce style, j'avais vu ça. Bon, et toi, t'avais pas quelque chose pour moi? Non. Vas-tu mourir? Tu vas mourir. C'était quoi ton arc? Flèche. Vas-y, par principe, hein, mais il est où ton arc? Il est là, vache. Un tout est merde, super. Guérison. Ah oui, guérison des maladies, oui, c'est bien ça. Alors, là, il y a quoi? De rage. J'ai bientôt plus de... Comment t'as volé? Robe de défense? Ça coûte, ça coûte. Coffre, je prends... Agilité, non. Oh, respiration aquatique, ça c'est super. Je prends. Donc ouais, c'est un dommage parce que c'est un peu mal fait ces trucs-là comparé à Skyrim qui a été bon, beaucoup bien évolué sur le fait des gemmes où les sorts d'absorption d'âme sont carrément mieux faits. Ah, je trouve, hein, c'est un avis personnel, c'est beaucoup plus facile sur Skyrim, c'est pour ça là je l'utilise même pas ici. Moi j'y suis quasiment. Oh le sniper toi! J'ai commencé à
Il est 9h, j'ai commencé à 50, je crois. J'en ai marre, j'ai commencé les chiffres ronds. Ouais, c'était ça, 50. On a fait la moitié. Résistance au feu. Ouais, ça pèse 1, c'est pas terrible, mais. Bah en lumière, non. Ah, par contre, là, je suis en train de souffrir. J'ai super mal aux dents. Guérison du poison. Ah, crève! Pourquoi je ne meurs pas? Je vais bouffer toutes les charges. Tiens, parlant de charge, combien il m'en reste? D'accord, quasiment rien. Ok, donc là je suis bien à l'arrivée, c'est ça. Ah tiens, une petite sauvegarde, ça fait un bout de temps. Il nous reste quoi? Il nous reste un peu moins de 10 minutes pour finir la guilde des mages. Eh bien, voyez, voilà. Coucou! Ah non! Bâton d'orage. Alors par contre, je suis content puisque déjà les. J'ai pas à me faire chier avec les putains de serrures à ouvrir. Déjà une bonne nouvelle. Donc là, on en est où? Le niveau poids, ça va, j'ai encore un peu de mage. Là, c'est le bâton d'archimage d'éclair. Donc ça. J'aime bien les collections de bâtons, en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Guérison et dissipation, non. Vous y voyez? Enfoiré. Ah, c'est bon. Ah, je l'ai? Oh. Flèche jouée meilleure. Oh, chier les flèches. L'ectoplasme, on prend. Ah, c'est ça que je voulais. Épée courte d'elfe. Ça veut pas. Elle fait combien de dégâts? 14. Ah, pute. Bon, je suis à la fin de mon arc par contre, hein. De mon arc. De. Allez, l'épée, déjà. Voilà. Voilà, c'est ça que j'aime. C'est où? Là. Ok, c'est par là. Du coup, on va remettre un peu. On va régénérer. Guérison, on sort seulement. Alors. Oh, ça seulement. L'entrée aura été votre dernière erreur. Reviens là.
Voyons. Pourquoi tu t'envoies un petit chat? Ah, je commence à avoir mal au poignet. Fortifie des chaussons en daim. Ah, tiens, c'est pas mal ça. Les chaussons en daim à la place de mes chaussons de merde. Allez. Maintenant, oui, j'ai des chaussons en daim. Et je suis plus discret. J'aime ça. Oh, putain, vache. Pardon. J'ai super mal à l'avant-bras et au poignet. Si vous voulez vous battre, vous allez être servi. Vache. Un poil loupé. Oh non. Ça ne m'intéresse plus. Ça. Allez. J'en ai déjà un. Je peux en faire collection. Monsieur. Ah oui. Ah non. What? Faut que je vais où moi? À gauche. Oui, parce que moi, il ne faut pas que j'aille, il faut que je va. Bonjour, Mahamoud. Je vois que Bolor n'a pas réussi à vous retarder. Très bien. Je le réanimerai lorsque nous en aurons terminé. Peut-être pourrions-nous discuter quelques instants, vu que vous n'avez pas d'autres options. Si, mais je t'écoute. Que je m'attendais à voir l'archimage Traven, et non son élève vedette. Je suis déçu de constater qu'il n'a pas eu le courage de m'affronter en personne. J'ai rencontré tant de ses prédécesseurs au fil des ans. J'ai même fini par apprécier Galerion, même s'il est assez mal préservé. Et pourtant, c'est vous que voilà. Vous avez réussi à arriver jusque-là, ce qui en dit long sur vos capacités. Peut-être me serez-vous aussi utile que Traven l'aurait été finalement. Pardon, j'en profitais qu'il faisait son monologue pour boire un coup. Je ne vous servirai jamais, je vous aiderai oh, jamais. Oh mon pauvre, je ne voulais pas laisser entendre que vous aviez le choix. Vous allez rejoindre la longue liste des esclaves du verre. Et je pourrai prendre mon temps pour vous étudier. Votre âme elle-même finira par m'appartenir. What? Le pouvoir, mon ami. C'est cela qui m'intéresse. Et c'est pour cette raison que j'étudie ceux qui en ont suffisamment à mes yeux. Nous recherchons la même chose, votre guilde et moi. Et pourtant, vous vous préoccupez de concepts tels que le bien et le mal, sans comprendre qu'il s'agit en fait de manifestations en fait différentes de la même chose. Et donc, vous me jugez malfaisant et faites tout votre possible pour m'éliminer. Mais moi, j'observe, j'attends, et je m'empare de vous lorsque vous venez à moi. Je comptais attirer Traven jusqu'à moi, mais c'est vous qui m'êtes offert à sa place. Peut-être irai-je m'emparer de lui personnellement, quand nous en aurons terminé ici. C'est le... Vous ne mourrez jamais. Faites le pire dans... Ah tiens, en parlant de ça, non, c'était ça. Qu'est-ce que j'ai eu comme ça en nouveau là? Un truc de porc là que j'avais même pas assez de toute façon. Un truc qu'on m'a filé. Alors les sœurs, ouverture m'en fous. Ça j'ai pas assez. Éclair. Dégâts 20 et là c'est dégâts 6. J'ai pas assez de magie, il faut 49. Ah oui, il faut que je recharge par contre. On va recharger. Elle est où la popo? Elle est là. On va recharger. Putain, le mec. Ah putain. Oh sale nordique. Sale nordique, je t'en prie. Bonjour. Oh, ranime pour 30 secondes. Non, c'est de la merde. J'ai tué le roi des verres. Il faut à présent que je retourne à l'université Arcane pour annoncer ma victoire. Oh. Ah, il y avait ça autour, j'avais pas vu. Bon, on va se servir copieusement par contre. Oui. Oh, oui, non.
Ah oui. Ah. Ah, bon bah tant pis. Oh non! Oh putain. On est à l'épisode 85, là c'est ça, il me reste 85 crochets. C'est beau, hein? Eh oui! Non, 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 non. Ah oui! Oui. D'accord. Bon bah je crois que j'ai fait le tour. Y a quoi dans l'eau? J'ai pied, j'ai papier. Bon. Par contre, il est super bien. Ah, je le dis, hein, haut et fort, je le clame. Hein. Bon, c'est pas là, faut que je retrouve c'était où, donc évidemment. On va faire l'inverse. C'était là. T'es sérieux, il n'y a que ça. Et là, on est où? On va remettre ma capuche quand même. Waouh! Oh cool! Qui niche? Cool! J'aime les niches. Bâton de silence. Allez, c'est juste pour. Juste pour. Hein. Parce que je l'ai pas. Tablier de forgeron, feuille d'absinthe. Tablier de forgeron. Un forgeron, moi. Ah, ok. Ah, je crois qu'il y avait une cuillère. Ça j'aime bien prendre les anneaux en or. 420. Bam, bam, bam. C'est bon ça. Bon, je raterris dans la grande pièce, d'accord. Bon. Eh ben on va rentrer. Ah oui, c'est vrai. Oh putain, 3002 quoi. Bon bref, on va rentrer. Quelle heure il est? Ah, on a fait les 20 minutes. Bah on va continuer. Attends, on y va jusqu'au bout. J'ai visité ça. Hein. Guérison des maladies. Bah. Non mais non, pourquoi j'ai pas pris? J'avais pas vu, je suis pas passé là, j'étais bourré. Athlétisme accru. Je suis perdu. Je pense être parmi les gens qui ont le moindre de sens de rotation au monde. Parce qu'en fait déjà d'une je regarde pas les flèches. Alors. Bon, d'accord. C'est là, voilà. Enfin, je déteste entendre les petits bruits, ça me donne des frissons quoi. Putain!
Là par exemple, j'en étais une autre façon. Là ils ont des maladies. Ah putain, ça c'est bien ça. Colis de l'eau. Maître. Potion. Ouais. Torche. Eh ben, pas dégueulasse. Bon, on va découvrir la map. Ouf. Où j'ai où? Comment se perdre? C'est par là. Ok, c'est ça que je voulais. Merde! Ah bah oui, j'ai passé de magie, effectivement. Ah bah tiens, en parlant de passer de magie, du coup. Hop, 74, 73. Vous voulez que je raconte l'histoire de 73? Enfin, je l'ai déjà raconté, je sais pas combien de fois. Donc, c'est un nombre premier, que c'est le 21ème, que 73, c'est 37, les chiffres inverses. Et que 37, c'est le 12ème nombre premier. Et comme par hasard, 12, c'est. Non, 37, 3 fois 7, ça fait 21. Voilà, ça c'est dit. Donc 21. Tac, j'ai tué j'ai annoncé ma victoire. Donc, bah, Ramius, je pense, Ramius. Bah, du coup, j'ai fait tout ça. Je me prends une petite bière. Ouais, parce que j'ai bu le beau tout à l'heure. Là, j'ai envie d'une petite bière. Excusez-moi, hop. Ma petite lèvre quotidienne. Quotidienne, habituelle. Oui, tous les jours, je me prends 37 lèvres. Ah. Archimage, vous êtes de retour. Tu me parles meilleur, c'est Mani bien. Marco a été vaincu. Oui. J'ai du mal à le croire. Le roi des vers est mort. Trop facile. J'ai reçu une note de l'archimage Traven. Je sais ce qu'il a fait pour nous. Et qu'il vous a choisi pour le remplacer. T'es dégoûté, hein? Je le pleurerai quand je serai seul en privé. D'accord. Pour l'instant, je ne peux que me réjouir. Vous avez restauré la sécurité de la guilde, et je vous en remercie. J'ai déjà prévenu toutes les maisons locales que vous êtes désormais à la tête de la guilde. Félicitations, Archimage. Eh ouais. Collection d'ingrédients. En tant qu'Archimage, vous bénéficiez de certains privilèges. Outre l'accès complet à l'ensemble des équipements de la guilde, un autre service vous est offert. Julienne Fanis aide depuis longtemps l'archimage Traven à rassembler des ingrédients alchimiques pour ses recherches personnelles. Puisque vous êtes le nouvel archimage, je suis sûr qu'elle vous aidera vous aussi. Allez la voir quand vous voudrez, au Lustratorium. Très bien. On va se lustrater. Guilde des mages. L'université Arcane a vu le jour. Ben, on s'en fout de l'histoire en fait. Ok. À bientôt. Bon. Appelle-moi maître. Je vais aller dans mes quartiers. Dans mes quartiers. Oh yeah. Bâton de glace en remire. Bon bah écoute. Tiens, qu'est-ce que ceci? Épreuve. La Sainte Alésia. D'accord. Je lirai ça plus tard tout seul. Le coffre. Le coffre, est-ce que c'est... Alors je sais qu'il y a là-dedans. Il y a un coffre spécial. Et je vais le tenter bientôt. Zut, il faudrait que je retourne avant. Oh, qu'est-ce que j'ai sur mon ingrédient? Rien, je parie. Hein. Allez, de l'ectoplasme. Ah, de l'absinthe. Allez, on va s'essayer avec. Oh, je sais pas. Allez, un ectoplasme, on va en laisser un. Donc, normalement, j'en ai un. Allez, je voudrais juste vérifier un truc. Hein. Vous m'excusez, mais. Je sais pas si c'est ça. Je sais qu'il y a un truc avec ça. Je sais pas lequel c'est. Vous allez voir. Bon, si c'est pas ça, je vous expliquerai. Puis si c'est ça, je vous expliquerai quand même. Bon, sauf pour ceux qui connaissent, évidemment. Hein. Ça peut être super pratique. C'est pour ça que, je me suis gardé les trucs de côté. Non, il y en a toujours. Enfin, bon. Ça doit pas être ça, alors. Il y en a autre, tiens. Alors, hôtel d'enchantement. Ah oui.
Alors, il y a un coffre dans, ici en fait, le coffre de l'archimage, qui permet de faire la duplication. Donc voilà, c'est-à-dire que je mets un ingrédient. Et bah voilà, j'en ai 11. C'est ça. Donc voilà. Et donc, ça ne dure qu'une semaine au final. Au bout d'une semaine, ça disparaît. Tout disparaît à l'intérieur. Voilà. Donc, eh ben vous avez vu en preuve devant moi. C'est pour ça que je me suis gardé le cœur des draps. Ok. Et puis, c'est bon. Nous sommes maintenant les. Bonjour. Bonjour, Archimage, on dit. Nous sommes des. Des ouf. Non, c'est pas ça. What? Qu'est-ce qu'il y a là? Ah. En quoi d'autre puis-je vous être utile? Collection d'ingrédients. Oui. L'archimage Traven aimait beaucoup fabriquer des potions quand il avait du temps libre, à tel point que j'ai fini par avoir du mal à le fournir en ingrédients. J'ai donc enchanté un coffre spécial exprès pour Ah lui. bah voilà. Vous le trouverez dans les quartiers de l'archimage. Une fois par semaine, placez un ingrédient dans le coffre. 24 heures plus tard, vous trouverez une quantité importante d'ingrédients identiques à Eh l'intérieur. ouais. Mais n'attendez pas avant de récupérer les ingrédients. Au bout d'une semaine, tout ce qui a été laissé dans le coffre est détruit. Et avant que vous ne me posiez la question, oui, cela ne fonctionne que pour les ingrédients. Faites très attention à ce que vous mettez dans ce coffre. Je ne saurais être tenu pour responsable en cas de problème. Eh ben voilà! C'est exactement ce que je vous expliquais en fait. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'une bonne potion. Mieux vaut refaire votre stock pendant que vous le pouvez. Ouais, bon, ça m'ira pour l'instant. Ben écoute, du coup. Pff, allez, je te vends mon ectoplasme, je vais t'en vendre 12. Vous ne vous attendez tout de même pas à ce que je vous fasse une telle offre, si? Ah, t'inquiète, c'est Revenez réservé. quand vous voulez. D'accord, on s'en fout en fait. Rendez-moi visite à nouveau quand vous le souhaiterez. Oui, je vais Je suis vous rendre contente de visite, pouvoir vous aider. madame. Dites bonjour à Sdrassa de ma part. Je n'y manquerai pas. Bonjour. Bonjour, Archimage, connard. Allez, direction Anvil. On va se. J'hésite à me stuffer lourd, à me stuffer léger. Comment ça va se passer? Donc là, bon, il est 8h22, ça fait un bout de temps qu'on aurait dû finir cet épisode-là. Ça fait 10 minutes, 12 minutes. Ah, purée. Parasura, Parasura, Ah bah apparemment Azura. Clair, confusion, givre, ruine, glace. J'ai posé le mien. Merde. Ça c'est une arme à deux mains qui fait quasiment pas de dégâts. Ah mais non, flûte! Con. Ah le con. Bon voilà. Orange, orange, orange. Pff, allez, les flèches d'argent, je vais lui mettre les 186. Voilà. On va gagner pas mal de poids. Ça. Une hache à deux mains, mais ça ne m'intéresse pas. Ça coûte cher. Bon, allez, on va poser là. Tac, la capuche d'archimage qui ne donne rien. Ça, je vais pouvoir poser puisque je vais plus m'en servir. Casque du noyer, je vais le garder sur moi. Ça, hop, je n'en veux plus. Ça, je pose. Robe d'archimage, du coup, je me retrouve avec deux. Robe de défense, je. Allez, on va poser. On pose. On pose. Ça, je garde. Ça, on pose. Les potions. On va aller là-haut. Ah, je vous ai fait un bel épisode pour le dernier quand même de la guilde des mages. Hein. Donc là, ce sont les ingrédients. Et un cornu, cornu. Et donc, je souhaiterais récupérer. Ça, c'est une arme à une main. La pue, la pue, la pue. Ok. Et je voudrais. Qu'est-ce que je vais me prendre comme stuff? Le stuff de dragon impérial. Le mec au taquet, quoi. Bon, c'est là qu'on va pouvoir s'équiper. Les bottes. Le casque. Le plastron.
les gants, le pantalon et le bouclier, sans déconner. Et là, si on... Elle fait un peu petite, l'arme, quand même, hein. Voilà, là, ça représente. Là, ça parle. Bon, il y a combien il reste? Pas beaucoup. Là, il en reste plein. Est-ce que j'ai de quoi recharger? Alors, non. 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 Oui. Et du coup, celle-là, maintenant, elle est pleine. Ok, super. Ah là, on ressemble à quelque chose maintenant. 6 et 4. J'avais couru 4. Niveau 6. Ah bah en 6, si, j'ai peut-être mon arme. Et en 4, j'ai les flèches. Voilà. Bon. Parazura. 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 C'est le grand champion. Je n'arrive pas à le croire. C'est vraiment vous. Hop, et on va sauvegarder pour l'épisode suivant, l'épisode 86, qui sera la guilde des guerriers. Et je pense que je vais peut-être me attaquer maintenant, donc je suis chaud. Allez, ciao tout le monde. Pousse.